Hey, salut! Juste un petit mot pour te dire que t'abonner à ma chaîne m'aiderait énormément. Je ne le demande pas très souvent et c'est dommage car plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est la galère, alors s'il te plaît, ça m'aiderait énormément. Allez, je te laisse continuer la vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'amuser dans un nouveau jeu FNAF, un fan game. Il y aura probablement des screamers et plein d'autres trucs effrayants, alors faites attention à vous. Et sur ce, c'est parti. Mais avant, quel animatronique est blanc et rose et est désassemblable et réassemblable? Et sur ce, c'est parti, bon visionnage. Nuit numéro 1. Ok. Oh, c'est tellement stylé. Les amis, on se retrouve sur Fazbear Night. On a déjà joué un jeu similaire à celui-là, mais c'était vraiment, vraiment pas la même chose. Là, c'est vraiment beau, c'est très bien fait. Oh, waouh. Oh, il y a Foxy. Oh, c'est tellement stylé. Ouais, je m'en souviens. C'était juste pas du tout les mêmes graphiques. Oh non, en vrai, ça fait trop plaisir de revenir ici. Par contre, je me souviens plus de rien. Ah ouais, mais non, en fait, ils ont complètement tout changé. Oh, c'est tellement stylé. Ok, je peux rien toucher, il y a un endosquelette. Ouah, frère. Attendez, mais... C'est quoi ça? Mais ouais, attendez les mecs, j'ai l'impression que la nuit, elle a commencé là. Ah, c'est l'orage. Non? Mais si, c'est l'orage. Je crois que c'est l'orage, hein, parce que c'est super bruyant. Mec, l'ambiance, elle est folle, wesh. Et là, je suis supposé faire quoi? Genre, trouver mon bureau? Purée, frère, c'est un labyrinthe, ici. Ok, attendez, ici, il y a quoi? Oh, la rue de la fortune. Enfin, la route de la fortune. Ok, je crois que c'est l'orage. Ok, donc là, je suis déjà venu là. Donc c'est sûrement là-bas, non? Oh boy. Attendez. Où ils sont, Freddy Fazbear, Chica's the Chicken et Bunny the Bunny? Mec, c'est tellement grand, je suis supposé faire comment pour me retrouver? Ok, donc là, c'est privé. Donc si c'est privé... Ah bah non, mais je me suis dit, vu que c'est privé, c'est le bureau, mais qu'est-ce que je raconte? Là, il y a les toilettes. What the fuck? Oh, je crois que c'est là, non? Là, s'il y a la cuisine et là-bas les toilettes, ça veut dire que là-bas... C'est ça mon bureau? Non, c'est pas ça mon bureau quand même. Non, arrête. Non, arrête! C'est vraiment ça, mon bureau! Mais attends, mais wesh! La nuit, elle avait commencé depuis le début! Ça veut dire que là, si j'étais en train de me promener, en train de découvrir les lieux, je serais mort! Attendez, c'est vraiment ça mon bureau du coup. Vous vous foutez de moi, c'est ça, hein? Comment je ferme les portes? Oh! Je peux courir. Attendez, est-ce que... Comment on ferme les portes? Freddy, comment on ferme les portes? Comment on ferme les portes, Freddy? Yo, j'en ai aucune idée, frère. Oh, attends. Mais wesh, il y a mon cœur qui bat, les mecs. J'ai l'impression que le Freddy, il entend ma voix, là. Ok, attends, qu'est-ce que je fais? Mais non, mes frères, le mec, il se rapproche. Je ne peux pas fermer les portes, en fait. What the fuck? Est-ce que ça, c'est pas l'électricité? Ça, là-bas, là. Oh, Chica, elle bouge. Chica, elle bouge. J'ai l'impression que je peux pas fermer les portes. Donc, est-ce que mon but, c'est de survivre tout en me promenant dans le complexe de Freddy Fazbear Pizza?
Bah pour le coup c'est plutôt le complexe du méga pizzaplex, mais ouais j'ai un peu tout mélangé. Attendez. Oh mec, hey, dites-moi pas qu'il va s'allumer lui par contre. Il y a combien de Freddy dans le dans cette pizzeria là? Wesh, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il a l'autre bout. Ah bah c'est bon. Ah mais frère, s'il s'éloigne, moi j'accepte hein. Oh ouais, c'est vrai qu'il y a Foxy. Eh hey, mais les mecs, dites-moi pas que Foxy il peut courir parce que moi j'ai pas de porte là. J'ai pas de porte. Attendez, il est quelle heure? Il est... Ah mais c'est bon, 5h59. Ok, bah j'avais 25 de power restant alors que j'ai jamais utilisé les caméras quasiment. Et bah on va faire continuer les mecs, on n'a pas le choix. On doit continuer notre travail pour avoir un salaire. Par contre, il faut qu'on m'explique. Attends, donc là ça a commencé, donc il faut que je me dépêche. Donc j'ai pas le temps d'expliquer en fait. Purée, purée. Eh, c'est un labyrinthe. Oh, exit! Oh non, frère, ils m'ont troll. Ah, mais non, mais c'est de là d'où je viens. Qu'est-ce que je raconte? Ok, non. Oh, là, il y a la cuisine. Donc, ça veut dire que là. Ah ouais, mais en fait, mon bureau, il est juste à côté d'eux. Mon bureau est juste à côté d'eux. Mais wesh, la dinguerie. C'est pour ça que je les entendais de près. Attendez, mais what? Bah ouais, il est 1h. Wesh, mais mon bureau, il est juste à côté de là où ils sont en fait. Ça veut dire que là, s'ils se retournent, je suis mort. Attendez, mais je ne pense pas que c'est mon bureau. Est-ce qu'il n'y a pas un autre bureau par ici? Je vais essayer de chercher ça, mais je pense pas. Ok, c'est définitivement mon bureau. Donc il y a forcément un moyen. Déjà, ça, est-ce qu'on peut le toucher ou pas? Non, on peut pas. Et ça, on peut pas le fermer. Ok. Ok, donc ça, c'est qui bouge là? C'est qui bouge? Ok, c'est Bonnie. Donc Bonnie sera toujours le premier qui se déplace. Ah, on dirait des intestins d'animatronique. Oh, attendez. Ah non, ça a pas bougé. Ok. C'est parti. Faut pas faire de bruit. Ok les amis, j'ai trouvé Freddy. J'ai trouvé Freddy. Ok, il y a quelqu'un qui se rapproche. Laissez-moi vérifier qui c'est. C'est Chica. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Mais wesh, y'a tellement de caméras. Mais wesh! Frère, il faut être au moins deux pour regarder les caméras, frère. Il y a 20 caméras. Ah bah ouais, frère, c'est mal fait. Ok, les amis, on retente. On retente de taper Freddy. On va lui faire un baptême. Wesh! Wesh! Ah ouais, mais les mecs, je suis perdu, il y a trop de cam, c'est une dinguerie. Ok. Donc là, il y a la musique de Freddy qui s'est jouée, mais Freddy n'a pas bougé. Oh non, dites-moi pas que c'est Foxy! Attendez, frère. Où il est, Foxy, déjà? Oh non! Ah, mais je suis mort, wesh! Non! Non, frère. Bon, qu'est-ce que je fais? J'avoue que je suis un peu perdu. Parce que, bah, logique, je viens de commencer, je connais pas trop les règles. Mais on va survivre! On va survivre! Les mecs, on doit survivre. Au moins cette nuit. La prochaine, ça va être très compliqué. Mais celle-là. Oh non, j'ai cru qu'il avait bougé. C'est qui m'a vu? Oh le mec, le coup de stress! Mais il s'est passé quoi, wesh? Mais pourquoi j'ai eu un coup de stress comme ça? Mon personnage, il était en train de respirer.
Oh mec, les mecs, c'est le meilleur. Ok. C'est l'un des meilleurs qu'on a fait jusque-là, hein. Les détails sont fous. Ouais, on a réussi, mais on va mourir demain. Ok, bon, là, il y a Foxy qui va se réveiller. Et je pense il y a de très grandes chances quand même qu'on meure cette nuit. Donc, ouais, bah, préparez-vous, quoi. J'espère que vous avez pas trop peur de là où vous êtes. Oh, Foxy, s'il te plaît, viens pas me chercher, j'ai rien fait. Déjà, le temps que je vais dans mon bureau, il y a des chances que je me fais choper, les mecs. Non, je suis perdu. Non, je suis perdu. Non, 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 non. Oh, non, mais comment est-ce que je suis le seul gardien de nuit payé pour me perdre. Oh, non, c'est bon. Oh, te réveille pas, te réveille pas. Ok, et toi, si tu te réveilles, écoute-moi bien. Tu me... Wesh, déjà... Les gars, j'étais à 5 secondes près de mourir. Je pense que Bonnie, quand il se déplace, il passe très très proche de moi. Et du coup, mon pouce accélère. Ils sont venus m'agresser. Apparemment, Bonnie et Chica se déplacent aléatoirement dans la pizzeria. Donc, t'es en train de me dire que depuis le début, je ne suis pas obligé d'aller dans mon bureau? Ok, let's go, les mecs, on va se cacher. Venez, on va aller se cacher. On va aller se cacher, les mecs. Attendez. Ok, donc là, il y a mon bureau. Oh non! Du coup, ils vont se réveiller. La cuisine. Oh non, non, il y a Chica qui va venir me manger dans la cuisine. Je dois me barrer, les mecs. Attendez, je vais où? Je sais pas où aller. Ok. Là, je suis très très loin quand même. Ok. Ok, let's go. J'ai remarqué qu'on pouvait courir et je pense que, en fait, c'est full course-poursuite. Là, on est d'accord, je suis safe. Oh non! Est-ce que Foxy, quand il va se réveiller, il aura un GPS sur moi, il va venir me chercher? Si ça se trouve, en fait, depuis le début, les trois savent où je suis à peu près, vu que c'est des bots. Et donc, ils vont venir me prendre en sandwich. Pourquoi il y a écrit exit là-bas? Attendez, mais là-bas, ça mène à où? Dis-moi pas que ça mène au truc de là où il y a Chica et Freddy. Et Bonnie. Oh non, il y a Freddy qui se déplace. Non, mais wesh! Ok, là, les mecs, on a les trois qui se déplacent. Mais comment je suis censé survivre? Oh. Donc, en fait, on peut arrêter Foxy avec la lumière. Oh, boy. Bah ouais, mais c'est logique. Ok. Donc, toi, t'es littéralement mon pire ennemi dans cette nuit. Et si j'ai bien compris, la lumière est le seul truc qui peut me sauver. Oh boy. Ah mais oui, mais en fait, Foxy, dès qu'il va se réveiller, il... Mais wesh, je viens de tilter, mais moi j'étais là et Foxy, il était juste là. C'est normal que je suis mort. Ok. J'espère sincèrement que si Foxy me rush, j'ai le temps de lui échapper... Et que après Foxy et Bonnie ne m'attrapent pas. Parce que frère, si Foxy me course, comment je vais faire pour survivre avec Bonnie et Chica, wesh? Oh non, il y a Freddy qui se réveille. Ok, je sais pas où je vais, les mecs. Oh, frère, mec. Bon, bah...
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis fait arracher par tous les animatroniques. On va faire un petit topo. Foxy, quand tu l'illumines, il arrête de bouger, ce qui te laisse un moyen de survivre. Freddy, après avoir ri, il lâche son meilleur sprint. C'est pour ça qu'il faut se retourner le plus rapidement possible. Et Bonnie et Chica se déplacent aléatoirement, ce qui rend la chose plus difficile quand Foxy de course. Est-ce que vous voulez que je vienne un peu plus expérimenter la prochaine fois pour essayer de survivre? À me dire quel animatronique peut se désassembler et se réassembler et qui est blanc et rose? Bon, normalement vous avez trouvé. À liker, commenter, partager, à mettre la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, ce serait dommage. Et sur ce, votre capitaine vous laisse sur ça. Ciao!